À Times Square, au cœur de New York, Hulk n'a jamais été aussi en colère. Depuis qu'il n'a plus le droit de franchir cette zone verte. Je n'aime pas ça, je me sens comme en prison. Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens, les touristes. Mais voilà, Hulk oublie les débordements des dernières années. Harcèlement, violence, des mascottes toujours plus agressives selon les touristes. Alors la ville a tranché. Les personnages doivent désormais rester dans un carré long de 15 mètres sur 3. Et s'ils en sortent, ils risquent une amende de $500 et des peines de prison. Certains s'en amusent. Mais la statue de la liberté, elle, voit rouge. Ceci a été fait pour les riches, ceux qui ont de l'argent autour de nous. Ils prennent tout l'espace pour eux et nous, on n'a plus rien. 50 millions de touristes viennent chaque année à Times Square et la plupart se disent rassurés par ces zones, même si tout le monde reconnaît que le lieu a perdu un peu de sa folie. On a eu des expériences pas toujours très agréables, alors c'est vrai que cela rend l'endroit un peu plus familial et sympathique. Je n'ai jamais eu de problème, personne ne m'a jamais effrayé, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je me sentais bien ici. Depuis le lancement des zones vertes, les revendications des mascottes ont déjà permis d'agrandir les carrés de 60 cm.